premier jour de la semaine. Nous sommes lundi. Direction les cours, j'ai pris mon sac de sport. J'espère que j'aurai le motif d'y aller parce que j'ai des courbatures de ouf de la séance d'hier. Et j'ai mal aux fessiers et aux cuisses et adducteurs. Ce matin, en cours. C'était TPG, c'est-à-dire du travail à la maison. Donc j'ai révisé un peu, j'ai monté une vidéo, tout ça. Mais je trouve que j'ai l'impression de ne pas avoir été très effective. Et là, cet après-midi, puisque on m'a dit que je disais que c'était facultatif et que j'y allais pas en cours. Mais sachez qu'il y a des fois, c'est facultatif et j'y vais. Parce que toute l'après-midi, tout facultatif, je pourrais passer mon après-midi à la salle. Mais non, il faut aller en cours. Hello les gars, là je rentre de la salle, enfin et des cours aussi. Parce qu'après les cours, du coup je suis allée à la salle, j'avais un peu mal à la tête. Au final c'est passé, j'ai un peu mal au dos. Bon. Mais le pire je crois que c'est les cuisses et les fesses. Je souffre. J'ai même pas envie de goûter vu que j'ai fait ma séance. Généralement comme je vous l'ai déjà dit, après le sport j'ai pas très faim, sachant que d'ici une demi-heure je vais avoir trop faim. Il est 17h02, ça veut dire que j'ai sorti ma nouvelle vidéo puisqu'elle se publie automatiquement à 17h. Donc je vais aller voir ça, j'ai les fiches, les cours que j'ai fait stap à faire, si je pouvais monter le vlog aussi qui doit être en ligne mercredi, de ma journée de samedi faudrait que je le fasse parce que demain je sais pas trop si j'aurai le temps. Bon il va être 18h30, j'ai même pas fini ma fille, j'ai goûté un petit truc vite fait parce que du coup j'avais faim, j'ai pris quelques fruits à coque et kiwis et là du coup je vais aller me doucher. Bon sinon au niveau de mes sourcils ils se portent plutôt bien, donc là ils sont foncés mais pour l'instant ça croûte pas du tout. Ouais si, légèrement à certains endroits. Et mes cils, on les voit quand même un peu recourbés. Ils sont beaucoup moins noirs parce que j'avais fait une teinture des cils, mais ils sont quand même un peu recourbés. Bon, beaucoup moins qu'au début. Mais ça va encore, hein. Ça fait plus de 3 semaines du coup maintenant. C'est trop joli. Ici, il y a plein de dessins et tout. C'est une sardine? Ouais. C'est pas loin. Non, c'est super câlin. Allez, va manger. Je vais tuer le téléphone. On va tuer le téléphone, même si c'est une blague. Hello, hello, nous sommes mercredi. Je vous avais oublié dans la voiture, c'est pour ça que nous sommes dans le garage. J'ai un swag. Donc, il est 9h40, le temps passe trop vite. J'ai déjà tourné une vidéo ce matin. Vous allez vous dire qu'avec la dégaine que j'ai, ça se voit pas. Mais vous verrez bien ce que c'est comme vidéo plus tard. Donc la boss m'a emmené 3 colis. Je sais pas où je vais me poser, je voulais vous les montrer, les ouvrir avec vous. Je m'étais attachée à chaque fois ma vidéo, mais j'ai vite enlevé mon élastique avant que mes cheveux deviennent n'importe quoi. Donc le premier, je suppose que c'est Octoly, mais il a été défoncé comme jamais, le paquet. Il a été tout rescotché par la poste, donc j'espère que rien n'a été piqué. Donc c'est de la marque Biotherm et c'est la crème, enfin gel hydratant 12h, antioxydant, effet peau propre, tout ça. Petit pollution. J'adore le packaging quoi, je trouve trop mignonne. Ensuite on a un colis, je sais, de chez Amazon et je sais ce que c'est. Puisque le jour où Emma Cakeup a fait sa vidéo en disant qu'elle avait, qu'elle a annoncé son projet, et bien j'ai direct précommandé son livre, enfin sa BD. En plus j'ai trouvé pas trop cher, elle était à moins de 11€, 10,90€, je crois que je l'ai payé. Et voilà à quoi elle ressemble. Vous savez que j'aime beaucoup acheter les livres de youtubeurs et j'adore lire les BD, donc je me suis dit pourquoi pas. Et Emma Cakeup, je la trouve super drôle tout ça, donc je me suis dit que ça pouvait être plutôt cool. Et dernier colis, MyProtein, la bague. Donc en fait il y avait un pack femme et en fait il y avait surtout un truc que je voulais à l'intérieur. Donc à l'intérieur il y avait un shaker, je sais pas si je vais l'utiliser celui-ci, je le trouve assez gros et j'aime pas trop ce truc. Et il n'y a pas de petite bouboule pour remuer. Ensuite il y avait une box comme ça qui disent pour lunch ou quoi, donc pourquoi pas, c'est pas ça qui m'intéressait. Ensuite il y avait encore des petits trucs comme ça, j'ai les mêmes en bleu. Et ça par contre c'est hyper utile pour emmener soit de la poudre, soit des petits encas et tout. Et même si vous avez des bébés aussi c'est pratique. Par contre il n'y a pas le petit entonnoir, mais je sais que pour ma petite soeur on utilisait des trucs comme ça pour préparer les petits trucs de lait à l'avance. Et ensuite ce qui m'intéressait le plus c'était une petite boîte genre pilulier. Donc il y a 5 compartiments dedans. Et si vous me suivez, je me suis renseignée sur pas mal de compléments alimentaires. Je me suis pas encore décidée à vraiment les prendre. Mais au moins j'aurai cette petite boîte si jamais je veux les mettre dedans.
Et je m'en suis pris une deuxième parce que je trouve que 5 compartiments c'est pas top. Enfin c'est mieux pour une semaine vraiment. Donc voilà voilou. Ensuite je me suis pris des petits comprimés de spiruline. Je vais pas vous expliquer vraiment exactement ce que ça fait tout ça. Mais la spiruline c'est pas mal de protéines. Genre pour 100 grammes vous en avez 64 grammes. Bon bien sûr vous mangez pas 100 grammes de petits trucs de spiruline. Mais en tout cas c'est vraiment un super aliment. Ensuite ils ont sorti des sous-vêtements. Donc je m'en suis pris donc en mode un peu Calvin Klein si vous voyez ce que je veux dire. Donc la brassière noire qui est comme ça. Ouais, il y en a deux avec. Moi j'ai cru qu'il y en avait qu'un avec mais non. Vous avez les deux string tanga, appelez ça comme vous voulez, noirs donc qui vont avec. Et en fait il y avait aussi les gris. Et je me suis dit que j'allais déjà tester en noir pour être sûre que ce soit la bonne taille etc. Par contre j'avais pas du tout vu qu'il y en avait deux. Bah écoutez tant mieux. Ensuite la dernière fois je vous avais montré un ensemble marbre. Et bien en fait il y avait un autre ensemble de la même collection mais pas du tout le même motif. Donc ce motif là. Donc je me suis dit que j'allais tester, là cette fois-ci j'ai pris la brassière en M parce que là je l'ai pris en S. Et là cette fois-ci elle m'a l'air assez large, donc à voir, mais c'est vrai que la S me serrait un petit peu. Et du coup bien sûr avec, je me suis pris le legging. Voilà, je suis en train de foutre des emballages partout, tout va bien. Ensuite je me suis pris un jogging, donc mon copain en a un de chez eux. Et je trouvais la matière trop douce, ils sont super doux, ils sont super épais. Ils sont pas beaucoup retroussés vers le bas. Mais il y a une fermeture en tout cas. Et donc j'ai pris celui-ci bordeaux. Donc généralement je ne les mets pas du tout pour faire du sport ces joggings là. C'est plutôt pour rester à la maison, pour dormir. Et je me suis pris exactement le même en cette couleur que je trouve trop mignonne comme couleur. Et d'ailleurs les deux je les ai pris en taille XS. Et ils sont quand même assez larges. Donc voilà si vous avez un peu près ma morphologie. XS ça va très bien. Enfin vous voyez ils sont hyper extensibles. Bon il est 9h49. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais m'habiller. Parce que j'ai d'autres vidéos à tourner. J'aimerais bien en filmer une ou deux en plus. Et il faut absolument que je monte le vlog. Ça m'oblige un petit peu à manger assez de entre guillemets toujours. Parce que faut que je parte de chez moi vers 13h. Mais à avoir tout fait avant 13h. Manger, filmer mes vidéos, me préparer. Et surtout monter le vlog qui doit être en ligne à 14h. Donc voilà, voilà, faut que je fasse tout ça absolument. Je vais peut-être d'abord monter le vlog parce que c'est un peu plus important que refilmer une vidéo. Parce que c'est le vlog de samedi, il doit être absolument en ligne là maintenant quoi. Bon, j'ai envie de monter le vlog et je pensais qu'il allait être super long en fait quand j'ai mis tous les fichiers. Je vois 45 minutes de vlog, je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai eu l'impression d'avoir quasiment rien tourné et tout. Et en fait j'avais mis les fichiers des deux vidéos que j'ai tournées samedi pour ma chaîne principale. Du coup le vlog plus les deux vidéos tournées, ça faisait 45 minutes de vidéo. J'ai tellement de choses à ranger là. J'aimerais tellement faire mon rangement du dressing, faire du tri partout. J'ai jamais le temps. Entre les cours, les révisions, le sport, les vidéos, les montages. Et puis faut quand même que je me repose aussi dans tout ça. Ouh, ça fait longtemps que vous m'avez pas vu autant maquillée. Je viens de refilmer une vidéo. Ouh. Bon et sinon hier j'ai fait une machine. Bon, ça se voit pas tant que ça. Mais en fait, j'ai mis mon peignoir qui est rouge, qui est dessous en fait, avec le drap. Et du coup, il était un petit peu rosé, mais je sais pas si ça se voit beaucoup, si c'est un peu parti, mais je pense... Enfin, parti. C'est vraiment très très léger, mais je vois qu'il est plus si blanc du coup, parce que le peignoir est vraiment très très rouge. Et donc là, faut que je fasse à manger. Franchement, je sais pas quoi faire, j'ai aucune inspiration. Je crois que je vais faire une salade de riz. Oh, je suis en train de me faire tomber des glaçons dessus. Avec ça, donc c'est tout de dinde. Donc là, il doit rester deux saucisses basiques de dinde et quatre merguez de dinde. Donc je mange pas du tout de merguez basique, quoi. J'ai déjà mangé juste des merguez veggie et j'avais trop aimé. Donc là, on va goûter à la dinde, ce que ça donne. Parce qu'en fait, voir où il y a... Enfin dans les merguez qu'on achète, il y a des fois du mouton je crois ou de l'agneau, enfin bref j'en sais rien. Et je ne mange pas du tout de mouton d'agneau, voilà il y a plusieurs viandes que je ne mange pas. Dont le mouton, l'agneau, je mange pas de canard. Enfin j'en ai mangé une fois il n'y a pas si longtemps et ça va, il était vraiment bien fait. Mais sinon j'en mange pas, je mange pas de lapin non plus. Et je mange pas tous les gibiers, tout ça là ça me... Non merci. Et tous les abats, les trucs comme ça, ça me dégoûte. Au final je mange du steak. Au final je mange que du bœuf, du... de la dinde et du poulet. Voilà. Je mange quelques fois du veau, mais enfin, genre pas chez moi quoi. Si je suis invitée chez des gens qui en ont fait, ça m'arrive d'en prendre, mais sinon, c'est genre vraiment pas le truc que j'achète. Bon, voilà, c'est prêt. C'est un petit peu grillé. Et là, si vous voyez plein de trucs, c'est parce que j'ai fait une photo. Faut que je range absolument. Mais là, je vais déjà manger comme ça, c'est fait. Et après,
Je rangerai un petit coup, du coup j'attends pas mon copain, comme ça je mange direct. Voilà, pendant que c'est chaud en plus. Bon, et bien c'est parti, direction les cours. Oui, j'ai mis une veste blanche aujourd'hui, en plus il fait beau, j'ai pas mal de vestes qui sont à laver. Du coup bah voilà, j'espère juste ne pas me tâcher. En plus avec le rouge à lèvres que j'ai mis, c'est risqué. C'est un de chez Nocibé. J'ai un peu mis sur un mouchoir pour rester tombé, parce que sinon, je sais pas si vous allez voir, bref, j'en ai sur les doigts. Parce qu'il est pas tout à fait sans transfert, là j'ai fait avec un mouchoir, mais ça y est, j'ai fini les cours. Je suis dans mon petit garage, wali walou. C'était un cours facultatif, et en plus c'est un cours qu'on avait fait la dernière fois, enfin qu'on avait visionné le cours en vidéo la dernière fois. Donc du coup j'avais un petit peu tout, mais bon, c'est pas grave, ça fait un petit rappel. Bon, du coup j'ai filmé une vidéo, j'ai tout copié sur mon ordi, les vidéos de ce matin aussi, parce qu'il n'y a plus de place sur mes cartes mémoire. Là j'étais en train de parler avec des gens de ma promo sur Facebook, parce qu'on a un partiel de groupe en santé publique. Et notre sujet c'est le harcèlement, voilà, sur les 16-25 ans je crois. Du coup c'est assez intéressant, mais il y a beaucoup de choses à dire. Bon, on doit faire 20-25 pages, hein, je vous avoue. Du coup il y a largement la place de dire plein de choses. Mais là d'abord il est 16h30 et j'ai trop faim. Non mais c'est pas bien d'aller sur Facebook. Là je viens de voir une vidéo avec une brioche fait maison là, avec du chocolat à l'intérieur. Bon sinon j'ai plein d'idées de vidéos, mais genre des idées qui faut tourner, c'est à dire qu'il faut bouger tous les trucs si je veux tourner, ou alors tourner dehors. Bref, c'est assez compliqué. Et en ce moment aussi j'ai trop envie de crêpes, un truc de fou, j'en ai toujours pas fait alors que je peux en faire facilement avec des bananes. Mais je vous avoue que j'ai pas trop la foi et le temps pour ça. Bon bah voilà mon goûter, un kiwi, pain de mie avec du chocolat noir et un pain de mie avec de la concoyote. Voilà. Bon je suis toujours à la même place les gars. Regardez, j'en ai partout sur les mains d'urgence parce que je me suis mis comme ça et du coup j'en ai partout. N'est-ce pas ridicule? Il est 18h40 et je viens de monter la deuxième vidéo. Du coup ça veut dire que ma semaine prochaine est complète niveau vidéo. J'ai encore une autre vidéo à monter. Et là normalement du coup j'aurai 2 semaines d'avance. Et ce que j'aimerais bien faire aussi aujourd'hui, c'est regarder, en fait si vous savez pas, dans mes vidéos en barre d'infos il y a un questionnaire pour que vous me donniez toutes vos idées de vidéos. Et je regarde de temps en temps et du coup ça me donne des idées, des inspirations. Je reprends pas forcément exactement vos idées, mais je m'inspire et des fois ça me donne des idées complètement qui n'ont rien à voir avec le truc. Et vous pouvez me donner aussi des conseils, tout ça. Bon. Vous avez un super reflet dans mes lunettes. Il est 19h11. Là j'étais encore en train de faire des trucs, bref. Cette fois-ci je vais vraiment aller me doucher, parce que là j'allais faire mes miniatures mais... Et à la base j'ai... Oh là là, mon rouge à lèvres là c'est de pire en pire. À la base je voulais faire du rangement, tout ça, passer l'aspi aujourd'hui. Et en fait, donc j'ai fini vers 15h. Donc en gros, en 4h, j'ai monté 2 vidéos et j'en ai filmé une. Hello, nous sommes jeudi. C'est parti, direction les cours. Et il y a le soleil qui se lève. Hello, bon, je vous reprends, il est 16h52, là je viens d'arriver à la salle. Je ne vais pas y aller parce que là j'ai eu des migraines là au milieu d'après-midi qui sont en train d'arriver. C'est hyper super génial. Je prends un médicament là parce que je sens que dans ma tête ça va pas trop. Et donc bah, c'est parti. En plus on était en TP cet après-midi, du coup avec des situations, donc situation de simulation. Du coup c'était pas genre le genre de cours où tu peux vraiment te reposer. Là j'ai vraiment mal à la tête, mais je me suis dit que si je rentre chez moi et que je me couche, là c'est ce que j'ai envie, c'est de dormir. J'ai peur que genre ça me fatigue encore plus sur ma soirée de ce soir et que là si je me bouge et tout, ça ira mieux. Je pense que je vais faire la séance des bras. Après je vais m'adapter un peu au monde qui est dans la salle, parce qu'il y a quand même pas mal de voitures, donc je vais voir. Me voilà rentrée, il est 18h. J'ai sorti une nouvelle vidéo, du coup je vais me poser devant les commentaires un petit coup. Donc ce soir en fait à Besançon il y a le marathon géant. Donc si vous savez pas ce que c'est, bar, vous savez ce que c'est qu'un bar je pense. Marathon, vous savez sûrement ce que c'est. Voilà. Ils organisent ça, enfin c'est un groupe qui organise ça et ils ont des bars partenaires. En fait on va, faut que j'aille retirer mon bracelet dans un des bars. Et avec ce bracelet on a des tarifs préférentiels. Bon il serait peut-être temps que j'aille me doucher, je crois qu'en fait je vais pas me laver les cheveux, je vais les laisser attacher. Par contre j'ai un problème... J'allume la lumière de la salle de bain. En fait, il y a 2 boutons, voyez-vous. Il y en a un pour le miroir et bien pour la grande lumière. Je lui dis non, j'ai dû appuyer qu'un seul bouton. Mais non, je crois que l'ampoule marche plus. Enfin, j'en sais rien en tout cas. Et je peux pas prendre celle du miroir ou quoi. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Donc du coup, c'est-à-dire que je dois me doucher dans le noir.
Ça y est, je suis maquillée. Bon, on voit pas grand chose. Du coup, j'ai dû me maquiller avec cette absence de lumière. C'est sympa. Du coup, je garde les cheveux attachés. Et je me suis habillée. Donc, j'ai un haut. Genre, un espèce de petit haut pull assez court et un pantalon kaki. Je voulais mettre mon pantalon noir taille haute. Impossible de le trouver. Et avec ce haut là, je peux mettre que des tailles hautes parce que sinon on voit trop mon ventre et j'aime pas. Je sais plus d'où il vient, j'ai acheté sur Asos, c'est sûr. Et sinon j'ai mis un rouge à lèvres, le Malibu. Pour mes yeux, je vais utiliser la Naked It et Voili Voilou. J'ai l'impression que les highlighters ne se voient jamais sur moi quoi, c'est un truc de ouf. Mais mon maquillage, j'ai l'impression qu'il était plus foncé que ça et au final pas tant que ça. Mon chignon vraiment c'est n'importe quoi. Bon, il est 19h40, je vais pas... Un message. Je vais pas tarder à y aller. Jade, elle a son bus à 45. Moi, j'y vais à Pata. Je pense que je vais prendre ma grosse écharpe qui fait limite plaid. En plus, quand je vais rentrer après, je ne sais quelle heure, il risque de faire très froid. Me voilà prête à affronter le froid, mais j'ai un courant d'air vide. Bref, voilà, je vous laisse et on se retrouve demain. Bisous. Hello, hello, on est vendredi. J'ai hâte de me lever. À la base j'ai failli me lever à 8h quand mon copain est parti, mais j'étais fatiguée. Mais j'avais plus envie de dormir, c'est bizarre. Là je vais prendre mon petit déj et j'ai vu que mon copain a acheté ça là. Ils appellent ça des petits pains gris, mais je crois que ça s'appelle des crisp rolls, un truc comme ça. Et c'est grave bon. Il me fait peur ce poisson. Lui là, il est par terre. Oh, réveille-toi coco. Je pense que vous le voyez, mais il m'a fait trop peur. Moi, j'ai cru qu'il était mort. Non, il est... C'est comme s'il dormait, c'est bizarre. Je jure, ça me fait peur. Il nage vraiment hyper bizarrement. J'ai essayé de le... Genre, en faisant comme ça, il a bougé un peu. Il a à peine nagé, genre un mètre au-dessus. Il est revenu par terre, c'est bizarre. Bref, là, il a nagé. Et pareil, il bouge plus. Allez, petit poisson. J'ai essayé de le faire bouger un peu, mais regardez, il nage vraiment bizarrement. Bref, peut-être qu'il avait envie de rester vers le bas de l'aquarium, mais moi ça me rassure qu'il soit avec les autres en haut, ok, et qu'il bouge un peu. Donc bref, j'étais en train de dire que du coup il m'a acheté du lait de riz, je n'avais plus de lait végétal. Moi j'avais toujours pris le lait de riz calcium, et là je me suis dit je vais rien lui dire pour voir ce qu'il prend. Et comme ça, ça va me permettre de goûter celui-là pour voir si ça change vraiment quelque chose. Et il m'a dit qu'il avait acheté ce jus, que c'était trop bon. Donc c'est un innocent et c'est pomme et framboise, donc je vais en goûter un petit peu. Voilà, je vais pas me prendre un verre complet parce que voilà, moi je prends généralement mon petit jus d'orange pressé, et en plus j'ai 3 oranges. Super, je vous ai parlé de l'ampoule à la salle de bain hier qui ne marchait plus, et là il y en a une ici, donc j'allume comme ça et elle a fait clic, genre elle a pété pile quand j'ai allumé. Est-ce qu'ils ont programmé les ampoules pour qu'elles meurent tous le même jour? Ça se passe comment? Et du coup mon copain a changé celle de la salle de bain. Bon, je vais allumer celle du salon du coup parce qu'il fait vraiment pas beau dehors. Ça, ça marche. Mais l'autre elle est bien pratique parce que là je voulais laver un petit peu mon plateau. C'est plutôt bien pratique. D'ailleurs comme vous pouvez le voir, nous n'avons aucun lustre, rien du tout. Même là je sais pas trop quoi mettre. En plus je trouve qu'il est assez rapproché du meuble, donc enfin bon. Ça se voit pas vraiment, je veux dire, quand on est là, la lampe on la voit pas. Non mais ces derniers jours, je vais me faire tomber mon paquet de fiches sur le pied et bien le coin. Bref, j'étais en train de dire que ces derniers jours c'était l'été indien. Il y a des jours il a fait genre 25 et là aujourd'hui il fait tout gris et pleut. C'est vraiment le genre de temps déprimant. Bon, c'est parti, direction les cours. J'ai sorti ma grosse écharpe, tout ça, je vais pouvoir la mettre sur mon cours. J'ai sorti les cuissardes aussi, c'est pratique quand vous mettez un collant. Parce qu'au moins, vous n'avez pas trop aux jambes du coup. Puisque ça couvre les jambes, quoi. C'est plutôt pratique. Ah bah super! Ça y est, c'est le week-end. Bon, j'avais plus du tout le nez qui coulait. Et là, c'est reparti, c'est génial. En tout cas, c'était cool de finir plus tôt parce que à 17h le vendredi, j'ai pas énormément de bouchons moi par les chemins où je passe, mais il y a quand même plus de monde et c'est surtout un chemin à la sortie de l'école où il y a toujours du monde. Bref, je n'avais plus le nez qui coule et là c'est reparti quoi. Plus là du coup, des fois j'ai les yeux qui pleurent quand j'éternue, c'est super chiant. Et je pense que je vais pas tarder à vous laisser pour ce vlog parce que j'ai tellement de trucs à faire. En plus aujourd'hui mon copain finit à 17h30. Demain midi je vais manger chez mes parents, je vais chercher ma soeur et tout ça tout ça. Donc je vais voir ce que je vlog, mais en tout cas je vous laisse pour ce vlog. Moi j'ai des révisions, enfin bref, des fichiers à faire, des trucs à la maison à faire. Bon. Je vous fais de très gros bisous. Cette semaine n'aura pas été... ça aura pas été ouf, hein. Franchement pas fait grand chose. Je vous laisse vraiment, je vous fais des bisous. Et à mercredi pour un prochain vlog. Peut-être.